bonjour les piquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Street Fighter Duel, un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Vous pouvez toutes retrouver sur mes playlists de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer le mode Mélodie d'amour, Tour du désir et la deuxième partie, Tonnerre immortel. Donc, comme je le dis à chaque fois pour ces genres de modes, je vous conseille d'aller où il y a les modes annexes, où il n'y a pas de combat, comme ça vous pourrez gagner des récompenses, des petits livres, sans avoir à combattre, ce qui permettra de monter vos capacités beaucoup plus rapidement, et comme ça vous serez beaucoup plus fort après. Donc si vous gérez bien, logiquement à la fin de celui-ci, vous voyez, vous massacrez assez rapidement, vous serez assez fort pour tous les massacrer, et avoir tous les livres ici pour monter tout ça à fond. Donc là, je vais vous montrer... Allez, on va faire celui-ci. On va résoudre la petite énigme. Alors, le souci, c'est que celui-ci, tu peux pas le pousser là, donc tu dois le pousser ici. Donc là, faut pousser comme ça. Faut même pousser encore. Donc je passe par là, je pousse encore. Je viens directement là-bas, je pense, parce que sinon, je pourrais pas passer. Voilà, ici. Je repars là-bas, derrière, et je pousse à fond. Celui-ci, je viens là, et je le pousse tout au bout. Ah merde, non! Ah, je peux plus passer. Ah non! Ah, j'aurais dû attendre. Je suis bloqué. Attends, il faut que je réinitialise, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est ça, ça, voilà. Celui-là, je le pousse à fond. Celui-là, je le mets là. Voilà. Celui-là, je reviens ici. Voilà, je mets comme ça. Voilà, là, c'est mieux. Donc, celui-ci, je le mets là. Celui-ci, je le mets... Oh, je me suis fait encore avoir. Je suis encore bloqué. C'est pas ça. C'est dans le même sens, mais je me fais avoir à chaque fois. Alors, il faut que je réfléchisse plus. Alors, voilà. Donc là, ici. Donc là... Celui-ci, je le mets ici. Le problème, c'est que si celui-là, je le pousse... Attends. Si celui-là, je le pousse là, je suis bloqué ici. Si celui-là, je le pousse. Ça va pousser là. Et là, je suis bloqué, tu vois. Là, je suis bloqué, je peux pas passer. Là, je vais passer par là. Le sucre qui est bleu. Et je peux pas le pousser en arrière, sinon je peux pas passer d'ailleurs.
compliqué. Si ça je mets là. Et ça je mets là. Attends, on va essayer un truc. Non, ça. Et si moi je mets dessus. Non, non, ça passe pas. C'est carrément les trous, il faut dessus. Donc c'est pas ça non plus. Je pensais que c'était plus simple, mais c'est compliqué. De toute façon, on peut pas le mettre là, parce que sinon ça bloque. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça. Et là, j'ai vraiment pas le choix. Là, je suis obligé de le pousser une fois au moins comme ça. Celui-ci, je suis obligé de le pousser ici. Donc là, même si je le pousse comme ça, faut que je passe par là. Même si celui-là je le pousse là, je ne peux pas passer par ici. Et si je le pousse à fond, je ne peux pas passer derrière pour pousser. Donc là je suis kéblo. Ibi, c'est compliqué, hein. Compliqué à d'autres, compliqué à d'autres. Donc là, si je le pousse là, je peux toujours passer par là. Et celui-ci. Ouais, mais je suis bloqué parce que même si je le pousse là à fond, que je le mets là, que celui-ci, je le pousse à fond ici, je suis quand même bloqué là. Et si ça, je le pousse là, je suis bloqué, je peux pas passer. Comment tu veux que je fasse, moi? Ah, attends. C'est bon, j'ai compris. Je viens ici. Je le pousse là. Je le pousse comme ça. Je viens ici, je pousse à l'intérieur, je repousse en arrière, je passe. Je le pousse à fond et je refais la manip. Voilà, là c'est bon. Normalement c'est bon. Parfait, j'ai réussi. Que ce fut compliqué. Après, on va être sur celui-ci. On va faire le combat. Ça va être sûrement assez rapide. Là on fait quoi? Ça c'est les... Alors... Je fais droite et gauche. Toujours bien se remettre au milieu quand vous jouez à ce jouet. Donc là il est moins rapide à ce niveau 1 je pense que c'est ça. Pourquoi il faut se remettre du suite au milieu dès que vous avez fini, c'est parce que souvent ils sont à les extrémités, donc pour tourner c'est plus facile. Ouf, il passe sans un rouge. Allez, ça devrait être bon. Parfait. Pas de difficulté. Vous voyez, je montais bien. J'ai pas mal de récompenses. Hop. Et je monte un petit peu tout. Le tout, c'est d'avoir au moins un point partout. Normalement, dès le premier chapitre, vous y arrivez à avoir un point partout. Et le deuxième, c'est pour compléter et tout finir. Donc là, je vais à celui-ci. Et après, je vais tout droit ici. Et après, j'aurai que du combat.
Allez, ça c'est quoi? C'est les paires. Alors. Là, c'était l'autre. C'était elle. Parfait. C'est bon, ça marche aussi. Allez, on continue. Parfait. Encore un combat et j'ai le petit mode. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple hein, quand toutes les capacités sont à fond. Enfin, sont toutes améliorées au moins une fois. Alors, hop, alors c'est Atlas. Alors, résoudre cette énigme. Tiens, elle ressemble à une que j'ai déjà résolue. Donc là, il n'y a pas le choix, faut glisser, faut venir ici. Après. Idéalement, c'est de venir ici. Donc là, si je glisse ici, comme ça, comme ça, comme ça, je suis bloqué. Si je vais là, que je viens ici, que je viens là, je ne vais pas aller ici. Ça pousse. Ah, c'est bon, faut que je vienne ici. Je pousse comme ça, je viens là, je le pousse, je repars à droite, en haut. Ici, dessus, je pousse à fond, je repars en arrière, et je cherche le trésor. Je l'avais déjà fait celui-ci, dans l'un des entraînements de merveille, justement. Ouais, bah, c'est écrit, numéro 22. Donc, pour se rappeler. Allez, on continue. J'ai quelques points, non, j'ai 8, j'en ai 15 même d'ailleurs. Parfait. En plus, je gagne plus de livres. Allez, maintenant il n'y a que du combat à faire. Je fais tous les combats et comme ça, après je pourrai enlever, monter tous les livres. Et une fois que tous les livres seront montés, hop, on fait tous les combats. Je vais les massacrer, normalement, j'aurai pas de soucis. Parfait. Encore un là, et puis les trois autres en haut. Et comme ça. Je vais monter là. Qu'est-ce que j'ai encore à monter? Ça, j'ai la défense. J'ai 11 points. Ça va monter vite.
Il n'y a plus que 3 combats à faire et je me fais le boss. Dommage qu'il n'y a pas le petit mode sur le côté où permet de combattre. Tu finis vite les combats. Allez, vas-y, finis-le. Parfait. Et voilà, c'est fini, j'ai combattu tout le monde, je peux monter. Alors, je vais monter le maximum de dégâts. Donc 3, aïe, dommage, il n'y a plus que celui-là qui a 1. Il m'a encore 4 points là pour finir, ce sera le prochain malheureusement. Mais au moins, je suis plus fort et je vais pouvoir battre le boss de fin. Faut que je fasse combien de dégâts? Faut que je fasse 54 millions, minimum. Voilà, mais voilà, vous voyez un petit peu cette petite partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez bien à vous abonner, liker la vidéo et cocher la cloche. Merci à vous de faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo, que ce soit sur ce jeu ou sur d'autres jeux. Merci à vous. Allez, bonne journée à tous, bonne game et on se retrouve bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao.